Parce qu'on m'avait bien fait là que je te 2 heures pour que je te raconte une heure de. Wow, une heure de bah, j'ai dit cette question. Hein. Bah, je vais te couper la parole. Comment en es-tu arrivé, pardon, dans le fauteuil de François Roustan? Bernard Sansfelder, donc mon conjoint, est allé le voir sur Paris et que j'avais apprécié en fait ce qui s'est dégagé de lui après, ce que ça avait pu bouger. Et que moi, j'étais sur un questionnement à l'époque qui était compliqué parce que j'avais une question qui n'était pas formulée, une question qui se situe en dehors des mots. Je ne te refais pas tout le passage sur la documentation, c'est trop long. Je fais une zone de silence avec un orage, tu vois. Voilà, j'avais envie de prendre rendez-vous avec François Roustan. Donc Bernard me dit que François Roustan est aussi âgé, qu'il ne sait pas s'il va recevoir encore pendant longtemps. Et donc il y avait une certaine urgence. Mm. Je prends le train pour aller à Paris de Quimper. Alors c'est long hein, le train de Quimper à Paris, parce que le TGV ne roule pas à la vitesse maximale. Hein. Il fait Quimper-Rennes à la vitesse d'un train normal. Hein. Mm-hmm. Donc on en a déjà pour 2h30 d'arrivée à Rennes. Et ensuite, je crois qu'il y a 1h30 pour aller. Ouais, donc c'est vrai que sur la journée, j'avais le temps de réfléchir à mon entretien. Des fois, on se dit que l'entretien, ça joue avant oui. Et après. C'est vrai que t'as eu le temps de ah là, j'ai eu le temps de décanter. Et en même temps, du coup, je n'avais quand même pas de questions qui se soient formulées, ni de demandes qui se soient formulées très clairement. Mmh. Et je me suis dit, tant pis, s'il y en a une, elle va apparaître au moment de l'entretien. Mm. Je serai face à Roustan et je me dis à ce moment-là, je saurai quoi dire. Voilà. Voilà, ça va être l'inhumain. Dans le présent, quoi. Ouais, dans le présent. Arrête de te prendre la tête à vouloir absolument quoi dire. Tu verras bien quand il sera. Des demandes et des questions, j'en avais trouvé à l'appel, mais sans trouver celle qui me convenait. Donc voilà, donc j'arrive dans le quartier de Roustan un quart d'heure, 20 minutes avant, comme je ne connaissais pas. Et puis bon, de toute façon, avec les horaires de train, machin. Et 10 minutes avant l'entretien, en fait, il y a un gros, gros orage qui se déclare avec une pluie torrentielle. Et tout le monde se met à l'abri là où il peut, moi, en me disant où est-ce que je m'abrite. Et où j'allais dans un café, mais j'avais franchement, vu le temps qui restait, un peu peur d'être en retard, le temps d'aller au café, de revenir, et puis d'arriver vraiment comme une serpillière, puisque j'avais pas pris la cape de Quimper. Ni le parapluie, ni la cape, ni quoi que ce soit. Je trouvais ça pas très sympa forcément d'arriver complètement dégoulinante dans son bureau. Donc j'étais devant chez Roustan et c'était un immeuble et on voyait à travers qu'il y avait effectivement une pièce, un sas dans lequel il y avait des boîtes aux lettres et il y avait apparemment des gens déjà qui attendaient là à la fin de la pluie pour sortir. Mm. Et je me suis dit je sonne chez Roustan. Je vais attendre dans ce sas que ce soit l'heure, parce que Roustan avait donné comme consigne d'arriver à. De sonner à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de salle d'attente. Et donc j'ai sonné à l'avance, en m'expliquant qu'effectivement il pleuvait. Donc moi je pensais rester dans ce sas, et il m'a proposé d'entrer directement dans son bureau. Voilà, avec un. Alors j'ai senti qu'il n'était pas complètement content que je sois à l'avance. Est-ce que je me suis dit, j'ai peut-être interrompu sa sieste, je sais pas, enfin. Voilà, et la première chose qui m'a marqué en arrivant dans ce bureau, c'est qu'effectivement il était sombre et tout petit. J'ai de mon
des bureaux de psy, j'en connaissais pas mal parce que j'ai grandi aussi avec plein de psy dans l'entourage de mes parents et tout ça. Mmh. Et donc, quand j'étais gamine, c'était notre terrain de jeu, le bureau du psy. Des fois, voilà, on était, c'était, ça pouvait être un endroit dans lequel on avait le droit d'aller jouer. je sais plus. Enfin, il m'a accueilli. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Enfin, il y avait une espèce bonjour, de... Si, ah non, non, alors, je ne sais pas. Alors, c'est pareil, les mots, je vais avoir du mal à te redire. Mais il y avait donc un petit... temps d'accueil à la, juste à l'entrée du bureau, où on a dû échanger deux ou trois formules de politesse standard sur la météo pour le coup. Voilà, oui. Et puis donc Roustan me propose de m'asseoir dans un fauteuil qui était là, enfin un fauteuil, même pas un fauteuil, une espèce de siège qui était très... qui m'a semblé bizarre avec en forme ronde, c'est-à-dire avec si j'ai la caméra, donc avec tout un espèce de bulle comme ça et voilà, donc je pouvais mettre la tête ouais, il y avait un truc comme si c'était un œuf coupé en deux, tu vois, une espèce, un truc je sais pas comment c'est, ça s'appelle, c'est science-fiction ce film, je te le dis, moi. Ouais, c'est... tous les fauteuils sont différents selon les patients, c'est génial. Et ben c'est marrant, j'adore. Voilà, ouais, moi j'avais l'impression, alors peut-être que c'est effectivement excellent. C'est déformé parce que là, la fin de la séance, oui. ça prend du sens parfois, mais j'avais l'impression, tu vois, que c'était un truc qui pouvait, dans lequel je pouvais être englobée. Une quoi. Voilà. Okay. Et lui s'assoit un petit peu plus loin à côté du bureau. Et effectivement, il me demande pourquoi je suis venue. À ce moment-là, je pensais avoir trouvé une réponse et la réponse n'est pas là. Donc je lui réponds, je ne sais pas. Voilà, ce qui ne lui a pas complètement convenu. Je sens que c'était entre mon arrivée un peu à l'avance, qui était pas, qui rentrait pas dans sa demande. Deuxième question qu'il me pose, ma réponse, je ne sais pas. Et comment dire, j'ai pas développé le pourquoi du comment de je ne sais pas, parce que pour moi c'était Roustan, donc si je disais je sais pas, j'avais pas envie d'aller rentrer dans ce... Voilà. Je dis non, c'est Roustan, je vais pas aller justifier mon je ne sais pas, culpabiliser et me dire je sais pas, donc c'est bien ou c'est pas mal, ou c'est mal que je ne sache pas. Je sais pas. Mais j'ai quand même senti. Alors, est-ce que c'est mon... Là, encore une fois, est-ce que c'est mon interprétation? Mais je sentais quand même un peu la tension monter, moi. Est-ce que c'est moi qui... Est-ce que c'est moi qui me faisais monter ma tension intérieure en me disant « Ah là, t'as encore foutu les pieds dans le plat, oups !» Deuxième fois. Ou si ça... Voilà, ou si c'est l'interaction entre les deux, j'en sais rien, dans tous les cas. Mon sentiment, c'est que la pression monte à ce moment-là. Et puis, je pense qu'il a laissé un temps de silence pour qu'éventuellement je puisse dire quelque chose de plus. Mais j'ai rien dit de plus. Moi, le silence me dérangeait pas du tout. Et c'est vrai que moi, quand je reçois les gens d'entretien aussi, des fois, tu mets un temps de silence et ça permet qu'il y ait autre chose qui s'exprime. Et moi, en fait, non. Moi, je trouvais que c'était pas mal d'être là dans le bureau avec lui et j'ai pas forcément besoin de combler le vide. Même s'il y avait une espèce de tension. Donc, en fait, il m'a posé une deuxième question qui était de ce que je faisais dans la vie. Et à nouveau, ma réponse a été « je ne sais pas ». Et là, je commençais quand même à me dire que je pouvais pas juste dire « je ne sais pas » là. En tous les cas, ça a refait monter la tension d'un cran. À partir de là, j'ai essayé un peu de lui expliquer, mais comme effectivement, il y avait un réel, je ne sais pas, derrière
de ce que je faisais, d'autant plus que dans ma pratique, la plupart du temps, je laissais mon corps faire le truc et j'essayais de pas trop intellectualiser ce qui se passait, dans la mesure où ça fait partie de ma pratique et il y avait vraiment ce truc en me disant ça peut vivre tant que je ne pose pas de mots dessus, tant que je ne cadre pas trop dans un truc qui le limite, ça peut continuer à se développer. Donc du coup j'ai essayé de mettre quelques mots dessus, mais c'était extrêmement, extrêmement maladroit. Ou inconfortable aussi. Bon. Donc je crois qu'il m'a coupé la parole. En tous les cas, c'était pas dans son truc. Quand tu lui essayais de lui exprimer ce que tu faisais. Oui, là, effectivement, de toute façon, c'était tellement mêlé que ça devenait. Donc il faisait bon. C'est bon. ça m'a pas aidé. D'accord. Voilà. Alors après, je ne sais plus. Excellent. Un, je ne sais pas. Deux, je ne sais plus. Je ne sais pas. Trois, je ne sais plus. Excellent. Tu vas voir, avec ça, tu vas faire une super vidéo. Nickel. Nickel. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'ai pas forcément grand-chose à raconter. On a dû échanger quelques mots, mais en tous les cas, Roustan m'a mis en état d'hypnose. Moi, je suis partie en état d'hypnose. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant que j'étais en état d'hypnose. Ok. Donc ça, je peux pas te raconter de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Moi, c'est le blackout. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Et là, tu sais que c'était une séance d'une heure ou je sais pas. C'était à peu près une heure, ouais. Oui, c'était à peu près une heure. Oui, il y a vraiment 40 minutes où je ne sais pas ce qu'il a. Ce qui s'est passé, ce qu'il a fait à partir de moi, je ne sais pas, tu vois. Et donc, à un moment, Roustan a dû me faire sortir d'hypnose. Et il me pose la question de comment vous vous sentez maintenant. Et moi, ma sensation à ce moment-là, c'était d'avoir la tête en bas. Et tu sais, comme... ça, c'est interprétation d'après, mais qui est venue après l'entretien, mais comme un bébé qui est dans le ventre de sa mère, tu vois, avec la tête en bas et les jambes en haut. Donc, je lui réponds, j'ai l'impression d'avoir la tête en bas et les jambes en haut. D'où aussi, tu vois, cette idée du fauteuil qui était comme ça. Donc. Ouais. Alors, je sens à nouveau que ma réponse ne lui convient pas. Peut-être qu'il attendait bien, pas bien. Je sais pas ce qui rentrait dans le. Juste secoué, quoi. Je sais pas ce qui rentrait dans son cadre. Mais bon, moi, j'étais très sincère dans ma réponse de lui dire qu'effectivement, là, effectivement, je fallait pas lui dire que je me sentais bien ou. Par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression d'être... Et avec cette image, parce que là, tu vois, il y a les tarots de Marseille, de cette carte du pendu aussi, tu vois, où tu es... renversé. Complètement renversé. Changement de point de vue. Ouais. Et donc, un peu, du coup, un peu désorienté quand même en sortant. Ah, si, il y a autre chose que je ne t'ai pas raconté, je ne sais pas si c'est dans le désordre. Je t'ai raconté mes premières impressions par rapport au bureau de Woodstock. Je ne t'ai pas raconté mes premières impressions sur Woodstock. Quand je suis arrivée, alors c'est pareil, c'est ma perception et ma façon d'être au monde. La première chose que j'ai vue, moi, chez Woodstock, c'est qu'effectivement, il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Donc il y avait et c'est un truc auquel je suis aussi sensible de par mon histoire, il y avait vraiment ce truc là qui se dégageait de lui et du coup c'était bizarre parce que il y avait un côté où du coup j'avais envie moi d'aller m'occuper de lui. Donc ça a inversé le scénario qui devait se jouer. Donc je me suis dit, attends, t'es là, pour venir consulter, t'es là pour recevoir quelque chose, t'es pas là
pour aller donner à l'autre. Et à nouveau, tu vois, ces trucs de convention sociale qui sont des fois un peu flous pour moi, mais sur lesquels je peux me raisonner quand même. et donc, il y avait vraiment, tu vois, cette sensation de la présence de la mort que moi je peux sentir et à un moment je me suis voilà il y a un moment j'avais vraiment ce truc de flou en me disant mais qui vient voir l'autre là en fait quand je suis à côté des gens qui meurent je trouve ça très sympathique contrairement à plein de gens je trouve qu'il y a une qualité de présence et de relation qui est justement en dehors de toutes ces conventions sociales qui fait que d'intensité. Voilà qu'il y a une intensité on peut sortir de ça on peut arrêter d'être dans un rôle on peut arrêter on peut arrêter tout le cinéma qu'il y a autour et puis juste être là avec l'autre et c'est vraiment des moments que je trouve formidables c'est très triste mais c'est formidable d'aller partager peut-être aussi mes absences de réponse étaient là d'aller partager du silence et donc je ne sais pas si l'hypnose aussi m'a ramené à ce moment-là parce que moi quand j'ai juste avant ma naissance en fait je suis morte dans le ventre de ma mère et on a fait une césarienne d'urgence pour me sortir réanimer voilà ton cœur ne battait plus quoi. Sur le dossier c'est marqué réanimation c'est pas parce que je respirais pas parce qu'entre le moment où tu sors le bébé et que tu le réanimes il se passe pas une minute tu vois en césarienne donc je devais déjà être bleue à l'intérieur pourquoi j'étais bleue à l'intérieur est-ce que le cœur s'était arrêté c'est possible j'en sais rien ma mère n'était pas consciente et voilà quand à la sortie quand il me dit comment vous allez donc je lui explique ce truc où j'avais la tête en bas et qui renvoyait aussi où ce truc où j'avais la sensation que ça pouvait être à l'envers au départ qui vient tu lui as dit ça non je lui ai pas dit non, hein, je lui ai pas dit ça. Mais après même à ce moment-là moi tu sais je sors d'hypnose et c'est intéressant aussi à moi quand je maintenant, quand je bosse, donc je fais de l'hypnose aussi, mais je fais de la méditation zen et je fais du seiki. Dans le seiki, c'est une approche japonaise qui se rapproche du shiatsu, mais où tu fais tout à l'intuitif. Il y a juste ces qualités de présence où les énergies viennent se mélanger et le personne qui reçoit le soin donne autant qu'elle reçoit donc tu ne sais pas qui est le donneur qui est le receveur puisque le principe veut qu'en fait que quand tu soignes les autres tu es soigné par la présence des autres l'entretien était terminé donc il me fait payer l'entretien comme convenu. Voilà, il me raccompagne dehors et à ce moment-là, le soleil brillait. Il fait un super ciel beau. Et il me dit, maintenant le soleil brille, regardez. Et on était à Paris. Donc à Paris, dans les cours d'immeubles, je ne sais pas si tu connais Paris, donc tu vois ce qui fait qu'on voyait quoi 20 mètres carrés de ciel bleu. Et moi, à l'époque, j'habitais sur une pointe face à l'océan. C'est pas le même paysage. Et alors, je l'ai regardé. Mais qu'elle regarde. Ça, le grand ciel bleu. Ça, un grand ciel bleu. Mais non, il y a 12 mètres carrés. Il n'y a pas cette notion d'infini qu'il peut y avoir quand moi je regarde le ciel qui fait que je peux regarder et qu'il n'y a que le ciel et la mer face à moi dans mon champ de vision. C'est clair. Tu n'as même pas besoin d'aller dans le fauteuil de Roustan pour vivre la perception quand tu es sur la pointe. Une des demandes que j'avais, parce que quand même, à un moment, j'ai essayé de formuler une demande par rapport à ça, qui était que dans ma vie, j'avais finalement tout ce que je voulais. Je vivais avec quelqu'un que j'aime, que j'avais un boulot que j'aimais, que je vivais un endroit merveilleux, enfin tout ce qu'on veut, mais qu'il y avait vraiment un truc à l'intérieur qui n'était pas heureux et qui n'arrivait pas à... Tu vois, en me disant, mais attends... Et vraiment dans cette notion de truc de pouvoir avoir ce que je veux, tu vois. Ouais. Ce
qui est quand même pas donné à tout le monde, mais c'est un moment dans ma vie où, où j'avais, je voyais pas ce que je pouvais avoir en plus qui m'aurait qui m'aurait apporté. D'où le je sais pas aussi. D'où le je sais pas, et ce truc de me dire j'ai tout ce que je veux, et qu'est-ce qui fait que je peux pas enfin tu vois, un côté où je peux pas en profiter, qu'est-ce qui fait que ça bloque à ce moment-là, et que qu'il y a toujours cette, un espace entre moi et le, enfin tu vois, une distance pas, entre moi et ce truc qui fait que la joie était pas, la joie était, tu vois, le, voilà, le truc était pas là, le moteur, voilà, donc effectivement la demande que que j'ai pu formuler à Roustan, c'était ça, en disant il y a un truc de bloqué à un moment, enfin je pas dit comme ça, tu m'as dit ça. Oui, non, j'ai pas dit qu'il y avait un truc de bloqué, je lui ai dit que voilà, que j'avais tout ce que je voulais dans la vie. Déjà il m'a regardé, parce que il m'a regardé, des gens qui venaient tous les jours en disant mais moi j'ai tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce que je veux. Habituellement quand on va voir un thérapeute, c'est quand même pour se plaindre que ça va pas. Si, il y a un truc. Mais voilà, moi c'était tout va bien, sauf que je peux pas en profiter. Ouais. Et effectivement, il y avait ce truc. Voilà, et donc après, je suis repartie de chez Roustan. Je me suis baladée dans Paris avant de reprendre mon train. Sans comprendre ce qui s'était passé pendant la séance. D'abord parce que j'avais oublié. Et puis. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que cette séance, elle n'a pas fini d'agir sur moi. Tu vois, comme si elle avait. En tous les cas, elle avait encore des échos à l'heure actuelle. En me disant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui s'est passé et qui continue à résonner. Voilà. Alors, est-ce que je vais être critique par rapport à Roustan ? Non, je dis simplement, tous les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de quiproquo, en me disant. Et du coup, quand on m'a dit, mais comment ? Alors, comment s'est passée ta séance chez Roustan ? J'étais morte de rire en me disant, mais attendez, je vous raconte, c'est la blague. Moi je suis allée chez Roustan et je sentais quand même que plus je lui parlais, plus il s'énervait. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est là. Alors, maintenant, je fais de l'hypnose en prenant à partir des méthodes de Bernard. Je n'ai jamais lu un seul bouquin de Roustan. C'est-à-dire que moi, Roustan, je ne connais pas. Ah, mais c'était bien pour y aller, je trouve ça. Ah, mais je suis allée sans a priori. Je ne vais pas forcément aller, aller chercher ce que faisait Roustan et les bouquins et tout ce qu'il a pu dire. Ça, j'ai même écouté aucune conférence, j'ai rien écouté. J'ai envie de rester dans la recherche, tu vois. J'ai pas envie de me dire j'ai trouvé Roustan c'est la réponse de ça ou ceci c'est la réponse à ça qui ferait qu'il y aurait une réponse. J'ai pas envie de trouver une réponse, j'ai envie d'être dans ce moment, dans la recherche qui fait que le positionnement il est différent pour chaque personne, il est différent à chaque fois et que le et qu'on peut être à nouveau, tu vois, dans cette qualité de présence. La recherche de la qualité de présence, moi je l'ai, je pratique, ça fait 5 ans là que je pratique la méditation zen, donc avec vraiment ce truc de qualité de présence, hein, d'interrogation par rapport à ça, et cette recherche d'être, et d'être simplement, enfin même plus simplement être, enfin, que ça puisse s'arrêter là. Voilà, mais le être là où on est, si tu veux, c'est vraiment aussi l'approche de la méditation zen. Donc voilà, ça c'est un. En tous les cas, moi je ne vais pas le chercher à travers les écrits de Roustan, je vais le chercher dans la pratique c'est de pas. La. Parce qu'encore une fois, le langage, tu vois, me... J'ai été énormément dans le langage. Hein. C'est-à-dire que j'ai grandi au milieu des bouquins. Ouais. Mes parents ne me parlaient pas beaucoup. Mais j'ai appris à lire très vite et en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir, quand tu parlais d'avoir des maîtres dans les livres et les machins, j'avais vraiment l'impression d'absorber, tu vois, la substantique molle de chaque livre et qui venait vraiment nourrir quelque chose à l'intérieur. Et pour moi c'était, quand j'étais pendant longtemps, ça a réellement été une drogue, tu vois, je pouvais pas vivre dans ce monde là en tous les cas sans m'échapper par ailleurs.
quand je suis sortie de ce truc de documentaliste et tout ça, de me dire à un moment, mais stop, il y a un truc qui a fait qui m'a dit, arrête de lire. Arrête de lire, arrête d'écrire. Voilà, donc j'ai arrêté. Je suis sortie de ça et j'ai arrêté. Ça fait maintenant, je m'arrive d'écrire, ça m'arrive de revenir à ce langage. Mais, ouais. Mais j'ai arrêté plusieurs années. Pendant tu vois. Plusieurs années. Ouais, plusieurs années vraiment. Il y a longtemps déjà ou... Ben ouais, ça fait une quinzaine d'années, tu vois. Donc ça fait un peu de temps déjà. Mon approche, ça va vraiment d'aller ressentir, d'aller expérimenter. Et j'ai plus besoin d'aller mettre de mots dessus. Et ce n'empêche que tu vois, je peux quand même venir là et te remettre des mots sur les trucs maintenant. Mais il y a un moment. Ça faisait quelques années que je faisais ça quand j'avais lâché les bouquins, quand j'étais voir Roustan, tu vois, déjà. J'étais en plein. En tout cas, j'étais pas dans le fait de reprendre le langage. Je continue à lâcher ce rapport aux mots. C'est juste le support. C'est juste le support, en fait. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu mets dans le mot derrière. Carrément. Qui fait que tu aurais pu mettre presque un autre mot. Oui. Le Seiki, pareil, où tu es vraiment dans cet échange de présence, de d'énergie, de trucs qui te dépassent complètement. Et tu sais pas ce qui se passe non plus, mais... ça te révolutionne. Hein. Mais encore à nouveau, tu quittes cette notion de bien ou de mal. Tu perds les repères que tu as au départ. Et évidemment, tu vas reconstruire quelque chose dessus parce qu'on ne peut pas s'empêcher de reconstruire. Mais tu sais que c'est une construction en tous les cas. Est-ce qu'on peut se mettre toutes les deux en présence de faire comme si Roustan était dans la pièce avec nous? Oui. Moi, ça ne me gêne pas parce qu'il est là depuis tout à l'heure. Bah voilà, c'est ça. Ça marche. Quand je sens les présences, je les sens, mais je ne les vois pas. Donc, ouais, ça se manifeste comment du coup Je peux sentir la même chose que quand tu es en présence de quelqu'un, de ce qui se dégage de la personne. Ouais, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que tu peux faire comme si tu entrais à nouveau dans le cabinet de Roustan? Donc, tu es là, devant, un peu mouillé quand même, et puis tu ouvres la porte en faisant la gueule peut-être. Tu aimes bien ce qui se dégage de lui? Il y a une certaine curiosité. Je vais te dire ce qui vient. Une certaine impatience. Je ne sais pas quoi elle est due. Une espèce de tension qui est là quand même. Comme si peut-être c'est l'interprétation, mais comme s'il avait autre chose à faire. Mais en même temps, je suis contente de bosser. Ouais. Et là, il t'ouvre la porte et hop, qu'est-ce que tu ressens en voyant ce cabinet? Mais je te dis à nouveau, cette notion où c'est sombre pour moi, c'est un orage d'été. Contre les murs, il y avait beaucoup de choses. Il y avait de l'espace quelque part, mais il y avait aussi... Non, je sais vraiment, oui. Non, c'est ce qui me vient, c'est quand même la sensation d'obscurité. Alors, est-ce que c'était le contraste entre dehors, dedans? Je sais pas. Et après... Dans le ventre de la mer. J'aurais bien aimé prendre le temps, tu vois, d'aller observer les bureaux, les objets, les machins, les trucs. Mais il y avait un bureau, ça je m'en souviens, sa chaise à côté, une fenêtre sur ma gauche, la porte derrière. Et la fenêtre, elle donnait aussi sur la petite courette. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Il devait y avoir sûrement des bouquins, des choses comme ça. Après, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que c'était un fauteuil dans lequel on pouvait s'affaisser. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans un fauteuil, tu te laisses complètement... tu peux épouser la forme du fauteuil. Quand tu es sur une chaise, tu as une certaine... Les sensations qui me viennent, c'est qu'effectivement, le lieu dans lequel moi j'étais assis était très bizarre. J'arrivais pas à le trouver complètement confortable.
J'avais envie de prendre le temps de ressentir les choses, tu vois, et en fait la discussion était là. Mm. Et du coup. Tu cherchais l'espace de silence et. J'étais pas sur mon rythme. Mm. Bon, après, je viens consulter, donc c'est normal que. Mm. Que ça puisse être sur son rythme à lui aussi. Hein. Mais moi aussi, ça m'agresse souvent. Quand les gens viennent me voir, je leur pose la même question, c'est de dire hein, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Voilà, j'aime bien aussi ce blanc qui arrive après, ça m'amuse parce qu'il y a des gens qui me disent bah, je sais pas, je me repense à moi, et j'ai ce sourire et je me fais ah chouette. Et puis souvent je me dis mais ça commence à m'intéresser là. Parce que je me dis peut-être que s'ils savent pas, il y a le début de ma réponse à moi aussi derrière. Il y a, qui est pas une réponse à nouveau verbale, mais qui est un truc de tiens, on peut aller. Tiens, on va aller chercher quelque chose qu'on ne sait pas. Donc qui va complètement nous dépasser. Et donc j'avais vraiment là, cette sensation d'avoir la tête plus en bas et les pieds en haut, qui était très étrange. Les liens que moi je pouvais faire au niveau mental, hein, c'était effectivement cette notion de bébé dans le ventre de sa mère et cette image du pendu aussi. Donc non, il y avait ce truc de qui était réellement un ressenti corporel, tu vois, et qui était du coup, mais je sais plus faire quand je suis comme ça. Je sais pas, je sais pas quel mouvement il faut que je fasse pour faire les choses. Et pourtant, t'as retrouvé l'usage des pieds assez facilement. Je pense que j'ai pris un peu de temps pour me relever, mais bon, c'est relativement classique après un état d'hypnose. Hein. Et après, je me suis pas posé la question, je pense que mes pieds ont trouvé tout seul. C'est ça. Et la sensation de truc à l'envers, elle s'est dissipée quand même assez vite. Hein. Je suis pas repartie. Surtout qu'il t'a dressé la tête au ciel, là, avec cette histoire de soleil entre les immeubles, par exemple. Ouais, aussi, ouais, il m'a remis la tête en haut. Regarde le soleil, là. Il est malin, le petit. Ouais. Il ressemble à quoi, ton fauteuil? Attends. Pour tes patients, je veux dire. Moi, quand je reçois les gens, pendant très longtemps, je n'ai pas eu de fauteuil. Ouais. J'étais sur le sol comme on est là. Et puis quand j'ai fait de l'hypnose avec le Covid et tout ça, ça permettait de... Donc maintenant j'ai des fauteuils. J'ai un fauteuil sur lequel je m'assois, sur lequel... J'aime pas trop être assis sur le fauteuil, ça me va pas complètement, mais en même temps ça permet qu'il y ait un rapport social différent. En fait j'avais une multitude de coussins. Des choses où on pouvait faire je proposais à chacun de construire son siège. Avec des trucs des supports en osier sur lesquels tu pouvais rajouter des coussins un peu mous, des trucs, enfin des formes. Et puis vraiment pour les gens pour qui c'est pas possible, j'ai un banc à l'entrée dans lequel qui sert en théorie pour poser ses affaires et se déchausser parce que il y a la moquette et mais après oui j'ai un fauteuil mais souvent je m'en sers pour discuter et les gens je les mets sur un futon pour l'hypnose. Cette histoire du cadre et du fauteuil, hein, et de laisser le... Moi je laisse plus le... Je, tu vois, il y a ce truc du fauteuil. Donc moi j'ai été formée par Bernard quand même, lui très roustant, hein, donc j'ai des trucs de roustan qui passent par là, mais laisser faire le fauteuil ou laisser le fauteuil, pourquoi le fauteuil? Tu vois, moi je ne vois pas pourquoi le fauteuil. Oui, parce qu'effectivement le fauteuil, il y a une sensation corporelle, mais moi je peux dire laisser faire quelque chose qui vous dépasse complètement, laisser faire la pièce dans laquelle vous êtes, laisser faire les bruits qui vous entourent,
laisser faire l'odeur, laisser faire... Moi, je bosse dans une yourte, donc dans ma yourte, il n'y a pas d'un... Tu entends, il y a tous les sons qui sont présents. Hein, les tondeuses des voisins, les avions qui passent, les hélicos. Les... Des fois, juste le chant des oiseaux, c'est merveilleux. Wow. Des fois, les chasseurs. Voir les engueulades des voisins. Voilà, mon grand jeu, c'est d'aller laisser faire. Et là, tu vois, on est vraiment dans le truc de Roustan parce que c'est incroyable de voir que tu peux bosser une heure avec une personne avec une ambiance particulière. La personne s'en va, il y a une autre personne qui arrive. Le son, ça n'a rien à voir. Les sons qui sont présents sont complètement différents. Ouais. Et des fois, je peux laisser dire, je peux laisser faire les chants d'oiseaux sans savoir ce que tu vois, ce que les chants d'oiseaux vont faire. Parce que le fauteuil, il ne bouge pas trop. Ouais. Hein? le fauteuil, c'est facile. Mais le chant d'oiseau. Et tu fais ça, et d'un seul coup, silence complet, plus un seul chant d'oiseau. Et tu fais, merde. Et puis d'un seul coup, t'as un truc qui repart, et tu te dis, attends. Et puis d'un seul coup, le deuxième oiseau. Et puis un truc qui... Enfin, puis tu vois, un truc qui se... Et ça se remet en marche, au moins à l'extérieur. Et tu te dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un tour quand t'as la personne... Voilà, ça se remet en marche à l'intérieur aussi. Et des fois, ce qui se met en marche à l'intérieur m'échappe complètement, mais je sens dans tout ce qui se avec met là, en marche. Voilà. Alors, les expériences de perceptivité sont marrantes aussi, ouais. Effectivement, dans ce qui se passe dans la pièce. Dans la yourte, il y a aussi... la yourte, c'est vraiment, à nouveau, avec cette notion de bulle, hein, moi, parce qu'il y a juste une entrée qui est une fenêtre, hein, donc elle est dans le jardin. Donc, en fait, il y a des animaux tout le temps qui viennent, qui passent, qui rentrent, des souris qui des fois viennent habiter, il y a toujours quelques araignées, et quand il fait chaud, la fenêtre est ouverte, donc il y a des... Et c'est toujours aussi intéressant d'aller... Il y a un chat qui peut rentrer, moi j'ai un chat qui vient aussi participer aux séances, et c'est toujours très intéressant d'aller constater que... effectivement, il y a des interactions qui se passent. J'ai une cliente, je crois que c'est la seule fois où on a vu une souris, et la souris, elle est grimpée jusque dans le toit. En fait, elle était à la hauteur de la fenêtre, qui était tout en haut. Là, ma cliente, elle était allongée en dessous, et d'où elle était, en fait, elle voit cela, et elle a vu le petit... Au milieu de la journée, la petite tête de la souris, mais alors qui s'est penchée, qui l'a regardée, alors que quand je suis dans la... Je sais qu'elles sont là, des fois je les entends passer. Jamais, elles font un show, mais quoi. Jamais elles sortent pour venir voir ce qui se passe et regarder ce qui se passe et qu'on les... Enfin, tu vois, une souris, quand tu la vois dans la journée, elle se... Ouais. Non, là, elle est venue, elle a regardé, elle a pris tout son temps. Et c'était un moment où effectivement, ma cliente, elle avait les yeux ouverts, elle a vu la souris... un truc comme ça. J'ai une fois aussi une libellule qui est venue se poser sur quelqu'un, tu vois, sur le nez de quelqu'un. Tu fais, attends, d'abord, j'ai pas une libellule qui rentre, je crois que c'était la première fois, et qui vient se poser sur la en fin de séance sur la figure de quelqu'un. Ah, tu fais... ça veut dire quoi? Je fais, ah, ça, je sais pas. Moi, l'interprétation, c'est pas mon truc. Mais voilà. Mais après, vous pouvez chercher... ce que ça veut dire, quoi. Transformation. Pour vous, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Voilà, donc, tu vois, les bruits, tous les bruits qui arrivent d'oiseaux, de chats, de chiens, de voisins, de bruits, il y a un énorme arbre au-dessus, donc il y a on entend le vent dans les feuilles, on entend, voilà, et il y a toujours, il y a vraiment ce truc où... t'es à la fois dans ta bulle et à la fois complètement connecté à l'environnement autour. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est cette sensation d'être protégé sans être coupé de l'extérieur. Et après, oui, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Le téléphone qui était coupé qui se remet en marche. Si je peux aller, mais je ne sais pas ce que ça vaut, hein, aller chercher une explication... C'est souvent en fait que les gens ont vécu des choses très très difficiles quand ils étaient bébés et ça c'est resté. Je pense que les bébés sont dans la perceptude
Et qu'après, quand ils n'en ont plus besoin, parce qu'ils remplacent ça par le langage, par le déplacement, par l'action, ça s'estompe. Mmh. Mais il y a des bébés pour qui ils ont toujours besoin, parce que sans ça, ils sont en danger. Ouais. Tu veux dire des enfants ? Des enfants, bah ouais, des non, adultes, mais des bébés en tous les cas, oui, quand ils continuent à se déplacer, mais le truc de la sécurité n'est pas là. Ah oui, les petits. Ouais. Les petits, et quand ils commencent à parler... continue à en avoir besoin, donc ça continue à être présent. Moi, tu vois, par exemple, je pense que c'est facilement présent parce que, encore une fois, mon intégration sociale, elle n'a pas vraiment été faite. Donc, j'ai dû rester longtemps dans mes trucs de bébé parce qu'on n'a pas la notion de langage, d'interaction avec les autres, c'était très très compliqué pour moi. Dès que je lui disais qu'il y avait un truc bizarre, je sentais des montées d'angoisse phénoménales chez ma mère, donc je n'en parlais pas. D'accord. Mon père... je sais pas, tu avais une perception d'un truc qui changeait. Je pouvais savoir, je pouvais prévoir l'avenir. Ah oui, t'avais des trucs je pouvais... qu'est-ce que... Ça, c'était pratique pour les évaluations, je savais quand le prof allait faire une évaluation. Excellent. Surprise. Ah ouais, je pouvais. Donc je dans te... la veille ou ah ben je savais la veille, je savais demain le prof là fait une évaluation surprise ou si quand il interrogeait à l'oral un élève au hasard, je savais si ça allait tomber sur moi ou pas. Le souvenir que j'ai, c'est que du jour où on m'a dit qu'il était mort. Ah oui. Donc j'avais 13 ou 14 mois, je sais pas. Mmh. Et de mettre. Parce que en fait. C'est... Ah, il est mort, t'étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. Ah, oui, c'est là où, c'est là où arrive mon premier souvenir. Mmh. Donc, alors il y a une partie, je te raconte, parce que ça, je sais qu'on m'a raconté que ce jour-là, comme d'habitude, j'arrive donc dans la maison de mes grands-parents. Mmh. Et je n'avais qu'un mot à la bouche, je répétais sans cesse, qui était pépé, 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 que j'appelais de tous les côtés. Et encore le souvenir de dire ce mot, mais alors avec la jouissance du pouf, tu vois, du pouf, tu vois, vraiment, la sensation physique du pouf, tu vois, d'être que dans la ressenti physique de la prononciation et en dehors du sens de ces trucs que tu as voulu enregistrer avec ton fils qui est un plaisir de la prononciation en dehors du sens, les jeux de bouche quoi, les bolets, mais voilà les ouais, ce voilà. Que tu peux faire, mais ça faisait partie. Et donc mon grand-père étant décédé, apparemment, ça a énervé tout le monde. En tous les cas, c'était pas le moment d'aller. Que tu l'appelais, quoi. Que de l'appeler, de le chercher partout avec. Sûrement mon côté de gamine. Il fait dit, mon grand-père est là. Passe-moi, tu vois. Passe-moi. Et le souvenir que j'ai, moi, réellement, c'est de ma mère qui s'accroupit devant moi, qui me tient les bras et qui m'explique que je ne reverrai plus jamais mon grand-père. Mmh. Et la notion. De ce qui se passe, c'est que je comprends son plus jamais. Mmh. Donc pour moi, d'un seul coup, le temps se met à s'écouler, alors que le temps s'écoulait pas. C'est pas du tout au cas. Pour moi, le temps n'existait pas. Et je comprends son c'est plus jamais, tu vois, à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a un. Oh, une case. Il y a un. Tu vois, il y a quelque chose qui s'arrête, un avant, un après. Ouais. Et il y a une partie de moi qui veut retrouver mon grand-père. Mmh. Oui. Évidemment, puisque. Mmh. Et en fait, ce que je retrouve à ce moment-là, c'est le souvenir de la dernière fois que je l'ai vu. Mmh. Et ce souvenir-là, je n'ai pas de visage, j'ai rien. J'ai juste le souvenir de sa présence, encore une fois, parce que j'étais dans la perceptude de la présence et de ce que je ressentais quand j'étais assise sur ses genoux à regarder la télé. Ouais. Parce qu'on ne devait pas faire grand-chose avec mon grand-père, tu vois, il était malade tranquille, de toute façon, mais il devait me prendre sur les joues, puis on était bien, quoi. Voilà câlin. Et du coup, ce souvenir-là, j'ai été le rechercher, tu vois, parce qu'il s'était effacé, évidemment, mais à ce moment-là, j'ai la capacité d'aller le rechercher. Et à ma connaissance, je n'ai pas redit ce mot de pépé pendant... les 20 années qu'on suivit. 20 ans, mais je... Mais oui, parce qu'à ce moment-là, on m'a dit, tais-toi. Arrête, tu reverras. Enfin, tu vois, je veux dire, personne ne s'est occupé, encore une fois, de ce que moi, je pouvais ressentir. L'idée, c'était de ne pas déranger les autres. À ma connaissance, je n'ai pas redit ce mot de pépé pendant les 20 années qu'on suivit. 20 ans, mais je... Mais oui, parce qu'à ce moment-là, on m'a dit, tais-toi. Arrête, tu reverras. Enfin, tu vois, je veux dire, personne ne s'est occupé, encore une fois, de ce que moi, je pouvais ressentir. L'idée, c'était de ne pas déranger les autres.
du truc qui se dégage de lui quand il est centré, quand il va, quand il est dans son positionnement et qui, et qui te met en état d'hypnose. Et là, effectivement, il y a quelque chose de particulier qui se dégage de lui. Comment est-ce que je représenterais ça? Je vais essayer de trouver. Hein. Là, ce qui me vient, c'est que c'est à la fois quelque chose qui se dégagerait de là, tu vois, avec une espèce de lumière, mais c'est pas forcément rond. Hein, ça peut être... Mais à l'intérieur, il y a quelque chose de très sombre, très noir. Les deux en même temps. Contrasté, quoi. Ouais, très contrasté, comme si c'était une espèce de. Oh, j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu bateau, mais d'entité qui serait dans une bulle de lumière. Pour moi, quand tu es. T'as une façon d'aller de percevoir quand tu es complètement branché sur la personne, qui est une façon de percevoir les choses et qui est intéressante, mais dans ce cas-là, moi j'ai tendance à me couper de un peu tout le reste pour être vraiment centré. Et puis tu as une façon de voir qui serait plus pour moi de l'ordre de la perceptude, qui est dans tout ce qui se passe autour et en interaction avec ce qui se passe là. Et dans ce cas-là, la personne, tu peux complètement l'oublier presque. Pour moi, le truc qui se dégage de Roustan, tu vois, c'est pas un truc qui fait où il se focalise sur moi. C'est un truc qui peut prendre une ampleur, voilà, dans lequel on peut être pris, enfin l'espace dans lequel on est peut être pris.